ses fautes, quartier général de la sous-commission aux partis politiques et processus électoral et la commission gouvernance locale. Au troisième jour, les participants ont passé au peigne fin les questions des partis politiques, le processus électoral, les fichiers électoraux et les subventions des partis politiques. Le débat est houlé et les opinions divergent. Vous voulez supprimer cette loi, loi 32. Or, la loi 32, elle a été déjà travaillée par des experts et des doyens. Ils veulent la suppression pour cette raison, je ne suis pas d'accord. Si la CENI est politique, vraiment, il y aura des conflits. L'institution qu'on va mettre sur pied, il faut que cette institution-là, qu'elle nous dise, qu'elle peut nous donner le résultat à la fermeture des urnes. Le problème de la subvention des partis, il y a des conditions strictes qui sont dégagées dans la charte des partis politiques. Pourquoi le juge n'applique pas cette disposition? Abdoulaye Ogoum s'est dit satisfait de la qualité du débat. Le degré du débat ici est très élevé puisque ça concerne le parti politique. Et toutes les lois concernant les partis politiques, ils sont quand même bien outillés de ça. Et ils voient qu'est-ce qui les arrange, qu'ils les arrange pas. Chargé de revisiter l'administration territoriale et la décentralisation, la sous-commission gouvernance locale, après deux jours d'intenses travaux, l'heure est aux rédactions du rapport final. Et nous nous restons maintenant à la rédaction du rapport que nous sommes dessus. Et les rencontres bouclées. Et ce rapport va être soumis à la plénière, aux participants du sous-comité le lundi matin. Les différentes sous-commissions de la thématique 2, réforme de l'État, constitution, réforme institutionnelle et processus électoral, finaliseront leurs travaux ce samedi et les conclusions seront restituées conformément à l'agenda du Présidium.